tout ce qui est directement vous centre pour un nouvel épisode du blog olympique ou de compte parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Là, on part en Chine ce matin, donc je me dépêche pour aller prendre mon avion qui va tarder à partir dans 3 heures. Donc on y va, on se retrouve à l'aéroport. J'allais pour le mieux, j'étais en route pour prendre mon vol. Et je me suis arrêté pour m'acheter une petite carte SD pour mon drone. Et c'est là où tout a tourné pour le pire. Là, faut que je me dépêche parce que il est 15, mon vol part à 25. Et comme je suis un grand trou du cul, j'ai acheté des trucs et je ne sais pas comment ça se passe parce que j'ai pas entendu mon nom être appelé. Ça se trouve tout va bien et ils n'ont pas encore commencé à embarquer moi. Mais je suis assez tendu. Boarding, last call c'est où? M49. Pardon, excusez-moi. Pardon! C'est Auvergne Alain. Nigga, we made it! Diabaté! Diabaté! Je passe par où? Ils ont appelé mon nom? Ouais, c'est un rappel. C'est lequel? C'est celui-là? Ouais. Merci, bon voyage. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est... On m'a appelé au téléphone, enfin à l'audio. Parce que j'ai pas entendu mon nom en fait. Non, mais et ça a pris du temps, les contrôles, tout ça. En fait, j'ai pas entendu, j'ai rien vu. Et c'est pour ça que. Vous l'avez, c'est essentiel. Merci. Là, je suis vraiment stupide. J'ai arrêté mon vol pour rien du tout. J'ai pris comme un gros porc. Vraiment stupide. Très mauvaise idée. Bonjour. Can you please put a glass of water, please? Yeah, no problem. Bon, du coup, au final, j'ai failli rater mon vol. C'était un peu tendu, mais voilà. On peut vous raconter l'histoire. Je vais vraiment ne pas rater son avion. Surtout, ne pas s'arrêter pour acheter des trucs. Faire de la détax, plus ou moins arriver beaucoup plus d'avance. Parce que sinon, il se passe un truc dans ce genre-là. En tout cas, voilà, j'ai réussi à arriver tranquillement dans l'avion. Je vais voir là, il y a tout ce qu'il y a à voir. Donc, je pense que ça va être peut-être tout pour aujourd'hui. On se retrouve probablement à Chengdu pour le transit que je vais faire là-bas. Ça va être ma première arrivée en Chine, j'ai un transit de 2 heures. Ça va être super, je suis vraiment pressé d'y arriver et de voir ce qu'on va pouvoir faire là-bas.
tu vas à la Chine, c'est ça qui est stylé. Déjà, t'arrives dans l'aéroport, t'as de la bouffe qui t'attend. Et ça, c'est cool. Donc, tu vas prendre un Sprite, un des deux Sprites et des gâteaux. On est parti pour un deuxième plan. Je suis encore tout seul. J'ai personne à côté de moi. Parce que je suis en train de regarder. Donc, c'est cool. On en profite. Donc il y a un peu de bruit autour de moi, ça c'est stylé, je suis super content, je suis super pressé d'y arriver et ça va être vraiment un voyage génial. On se retrouve de toute façon juste à l'aéroport de Canton. Thank you. Avec ma carte d'immigration que je viens de recevoir tout de suite et ça va être génial, ça va être génial. Vainqueur du commentaire du jour et cœur de la four, merci énormément à toi pour ton commentaire, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à commenter en dessous si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Boum ! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Et genre, pour moi, t'es de quel pays ? Je suis Mali et là, ils sont en train de chercher. You are coming for this ? Merci beaucoup, ouais. Genre, je suivais Gary, il m'a fait « Oh, mais tu suis Gary toi aussi !» J'ai fait